Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble comment bien choisir une queue de billard. Nous parlerons plus particulièrement des queues de beat pool et de snooker. Elles sont similaires en tout point, sauf sur le diamètre de leurs procédés. Effectivement, sur des queues de beat pool, on favorisera des procédés entre 8 et 9,5 de diamètre. Et sur le snooker, on favorisera des procédés entre 9 et 10 mm de diamètre. Et là, vous me demandez, mais pourquoi cette différence? Tout simplement parce que les billes de beat pool sont plus petites que les billes de snooker. Les procédés en 9 mm sont de bons compromis puisqu'ils permettent un jeu hybride entre snooker et 8 pool. De plus, pour les joueurs occasionnels ou débutants, il permettra d'être quand même plus précis qu'une queue standard avec un procédé de 11 mm dévissable et limitera le nombre d'effets indésirés ou le nombre de fausses queues. Bon, après, si vous êtes plutôt chanceux... Les queues de 8 pool et de snooker sont presque toutes fabriquées avec des flèches en frêne. Je dis bien presque, puisque nous voyons apparaître de plus en plus des flèches en fibre. Celles-ci sont beaucoup plus rigides, ce qui permet de mieux maîtriser la trajectoire des billes, notamment sur les longs coups. En revanche, vous serez un peu moins agile pour mettre des effets dans vos billes, tout simplement parce que la flèche est un peu rigide. Il est à noter que la fibre assure une flèche droite et sans déformation dans le temps. Le frêne reste la matière de référence pour les queues de 8 pool et de snooker, puisque c'est un bois à la fois rigide, mais qui offre aussi de la flexibilité, facilitant la réussite des coups spéciaux. Petit avis personnel. Si vous êtes un joueur occasionnel ou débutant, eh bien, les flèches en fibre seront bien adaptées, puisqu'elles vous permettront de bien maîtriser la portée de vos coups et les trajectoires de vos billes. En revanche, si vous êtes un joueur déjà plus confirmé, qui aime mettre des effets dans les billes, style massé, etc., eh bien, la flèche en frêne sera bien plus adaptée. Mais attention, pour autant, je n'ai pas dit que les flèches en fibre étaient faites pour les débutants, alors que le frêne était fait pour les joueurs confirmés. Non, bien au contraire, ce sont deux flèches très complémentaires. Nous avons des joueurs confirmés qui jouent également avec des flèches en fibre, tout simplement parce qu'elles offrent des sensations différentes lors du jeu. Ensuite, il y a la virole. Vous savez, la petite bague métallique en bout de flèche. Celle-ci est traditionnellement faite en laiton, mais on les retrouve également en acier, rendant la flèche plus rigide lors des coups. Comme vous l'avez sans doute déjà constaté, il y a certaines queues avec des jonctions. Alors, soit en demi, en trois quarts, les deux, ou alors encore en 4/5. Il y a peu de différence entre ces différentes jonctions, si ce n'est qu'en demi, c'est quand même beaucoup plus pratique pour le rangement. Si on veut aller plus loin, il y a des systèmes d'attache rapides, semi-rapides et classiques. Ces différents systèmes n'impactent pas les sensations de jeu, mais facilitent simplement la vie. Une autre question lors du choix de la queue, c'est l'esthétique. Vous avez le choix entre des queues peintes, avec des images, ou plus traditionnellement marquetées avec plusieurs essences de bois, fabriquées à la main ou en machine. Là, c'est une question de goût et de tarif également. Puisqu'au plus le travail est fin et au plus il y a de bois précieux utilisé pour l'assemblage des fûts, eh bien, au plus le tarif sera élevé. Si vous êtes du genre à avoir les mains moites, ou que vous transpirez beaucoup, certaines queues sont équipées de grippes, évitant à la main de glisser et permettant une meilleure prise en main. Sinon, vous pouvez toujours en mettre un en seconde montée. Et pour finir, il y a les questions de poids. Rien ne sert d'être arrêté sur un poids précis, mais voyez plutôt le confort de jeu. Toutefois, si vous êtes du genre à frapper fort, eh bien, favorisez une queue légère. Et vice-versa, cela compensera la générosité de vos coups. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Bref, maintenant vous en savez un peu plus sur les caractéristiques d'une queue 8 pool ou snooker. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire le bon choix. Et si jamais vous avez d'autres conseils pour bien choisir sa queue de billard, eh bien n'hésitez pas à les partager en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et si jamais vous recherchez une queue de billard, eh bien je vous invite à rejoindre le site www.lamaisondubillard.com.
tout ce qu'il faut. Merci beaucoup pour votre écoute, à très bientôt.